pas une camarade journaliste, mais si vous êtes présente. Donc, je suis contente de commencer par un bilan de campagne. Comment je te connais, ça fait un peu plus d'une semaine qu'il annonce ma candidature. Et je veux dire qu'au niveau du mouvement patriotique, nous sommes bien satisfaits du response qui nous peut gagner. Et nous sommes vraiment très contents de sa élan de ban jeune et moins jeune pour venir joindre nous dans sa campagne pour le renouvellement de la classe politique. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'il nous peut faire ce constat-là. Donc, chaque jour qui passait, nous pouvons recruter un nouveau activiste. Et je suis contente, c'est ça l'occasion là pour dire, pas hésiter, continue de contacter nous, continue de joindre nous, téléphone nous, même sur Facebook, nous disponible, comment nous trouver. Donc, nous avons différentes équipes pour cadrer la circonscription en ce moment. Ça fait une semaine déjà. Et nous avons dire que la demande pour le renouveau, Lila. Lila nous trouve li dans les porte-à-porte, dans nos sorties au bazar et même le Facebook. Donc nous satisfait pour cet accueil qui nous peut gagner parmi les habitants de la circonscription. Mais aussi, nous peut remarquer que le MP, avec ma candidature pour cette élection-là, finit un catalyseur du renouveau. Ce qui est arrivé, c'est que ça nous fait un effet. Et ça n'affectait pas les autres partis politiques d'une certaine façon, parce que nous message, c'est un message de renouveau. L'idée, c'est une idée de renouveau. Nous présence même différents le terrain, ce qui fait que nous devenons un catalyseur. Et nous espérons que ce mouvement-là continue au fur et à mesure de la campagne et même au-delà des élections partielles. Donc, cette semaine-là, il suffit pour créer ce bouleversement dans la circonscription. Et nous sommes bien satisfaits de ça. Parce que nous avons envie d'amener justement une contribution positive dans la politique à Maurice. Donc, quelque part, le président du mouvement patriotique et l'équipe du bureau politique finissent la raison de décider pour rentrer dans sa élection partielle. C'est la seule façon de contribuer différemment. Donc, par rapport à nos campagnes au Facebook, je pensais que pendant une semaine, mes camarades journalistes et même mes camarades en dehors, FinCav trouve le succès qu'ils nous font gagner. Donc ça, c'est grâce à justement à l'équipe jeune du mouvement patriotique qui, toutes les semaines, fait venir avec une nouvelle idée, tous les jours. Donc nous récitons une effervescence et une excitation sur Facebook. Nous avons déjà dit comment elle y était. Et surtout, nous remercions les Facebookers pour votre message, votre commentaire, qui est très, très encourageant. Et nous encourageons de continuer, surtout votre idée qui vous a appelé Inbox nous, nous apprécier. Nous apprécions toute bonne idée, toute bonne suggestion qu'ils ont fait, continuez. Pas hésiter, nous ouvrir à tout ça. Donc, comme on me dit, nous avons envie de faire des affaires positives et sa réaction positive de mon Facebook est extrêmement encourageant. Donc, mon fini, là, ça volé là. Je suis content que le conservateur François Mitterrand, bon, un événement fin arrivé pendant la semaine qui passait, c'est justement par rapport à l'incendie qui me déclarait. Livré que, heureusement, qu'ils ont réussi à contenir l'incendie à l'auditorium Francis Thomé et il n'y a pas plus loin. Mais seulement, ça, l'incendie-là, il fait nous réaliser l'importance du conservatoire François Mitterrand dans la circonscription. Parce que le conservatoire François Mitterrand fait partie de l'identité d'un habitant de la circonscription. Nous faisons un choc parce que quand nous sommes allés à soir, nous partions encore dans l'enquête, nous partions encore dans l'étendue. Donc, ça fait quelque part secouer nous. Qui fait une secouer nous, il y a un peu émotionnel. Donc, là, la culture est à sa place dans la circonscription. C'est pour ça qu'il nous fait autant toucher. Donc, je pensais qu'il nous faisait servir cet événement-là pour comprendre l'importance de la musique dans la vie de mon habitant du numéro 18. Donc, sur un ton un peu plus sérieux, nous vous causons, en fait, moi je sérieux depuis le début, mais nous causons le PAC, le fonctionnement du PAC. Pendant la semaine, nous finissons de trouver que deux parlementaires finissent d'exprimer justement cette frustration par rapport au Public Accounts Committee. Donc, nous trouvons ça dans la presse et nous sommes contents de dire que le mouvement patriotique, depuis la création, finit toujours mettre l'emphase sur le besoin de réformer justement le Public Accounts Committee. Qui fait parce que c'est une institution, c'est un comité parlementaire qui est utile et nécessaire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un parlement, surtout nous découle de sa tradition britannique. Enfin, bon, on fait une cours d'histoire, mais il y a un des trois étudiants là qui est déjà au courant de ce qu'il me fait à dire. Mais à l'origine, le parlement fut créé justement pour look into public accounts, comment dire. Donc c'est un fondement du parlement. Le Public Accounts Committee a un grand rôle à jouer.
Donc, au départ, qui nous frustrait, nous abandonnait, mais le mouvement patriotique, il a justement une suggestion pour faire par rapport à ça, par rapport au Public Accounts Committee, pour un plus grand, un meilleur fonctionnement et une plus grande transparence dans les comptes publics, parce qu'il ne faut pas oublier qui se nous casse, à nous, taxpayers. Donc, en effet, l'ancien président, cette institution-là, finit souvent, nous cas dire, unanime à avoir demandé des amendements nécessaires, justement, ban standing orders, pour qui augmente les pouvoirs du Public Accounts Committee et rend cette institution-là plus performante. Et une de ban propositions qu'il finit faire pour le MP, c'est justement que le rapport du Public Accounts Committee soit déposé et fasse l'objet de débat à l'Assemblée nationale. Donc, il faudrait que ce rapport-là vienne dans l'Assemblée nationale, table, et qu'il y ait un moment dédié pour qu'il débatte justement de la recommandation de sa rapport-là. Ensuite, nous sommes contents, nous, au mouvement patriotique, nous pensons qu'il est nécessaire, surtout quand nous constatons l'inquiétude de habitants, non seulement du Nord-Ouest, de Mauricien en général, par rapport à la corruption et la négligence de certains fonctionnaires par rapport aux dépenses publiques à un moment que nous disons l'économie pas roule aussi bien qu'il nous tient pour envie. Mais nous sommes contents qui justement il y a man hearings, ce qu'on appelle man hearings. Man hearings c'est quoi? C'est qui appelle man dimun, man fonctionnaire, justement man ministère, mais d'autres sur le fait, explique les constats du Public Accounts Committee et demande aux autres, pose aux autres questions, donne aux autres l'opportunité de répondre à ce questionnement-là par rapport à une dépense publique. Donc c'est une bonne proposition du mouvement patriotique et nous pensons qu'il définitivement pour aider avance la démocratie qui fait, parce que la démocratie c'est beaucoup une question de perception. Si Ena mal donne, bien sanction. Si Ena mal donne, il ne faut pas une perception mal donne. Donc un public hearing, il est définitivement une affaire qui pour avance nous pays, avance nous démocratie. Notre troisième recommandation, suggestion, qui nous tient pour content, prend en considération, c'est justement que le Public Accounts Committee soit investi des pouvoirs pour initier des sanctions contre des fonctionnaires qui font preuve de négligence ou manquement à leurs responsabilités et leurs devoirs. Donc, c'est que le Public Accounts Committee n'a pas de nouveaux pouvoirs. Merci. Donc, le PAC doit aussi pouvoir recommander au Public Service Commission d'initier une mesure disciplinaire contre un fonctionnaire qui est responsable d'abus d'année en année. Okay. Donc, contre un fonctionnaire qui font face justement à une allégation de négligence, incompétence ou acte de corruption d'année en année. Donc, en gros, c'est une bonne recommandation, nous, au mouvement patriotique, et nous comprenons la frustration de bonnes parlementaires qui n'expriment autre sur le sujet et nous partagent justement cette inquiétude par rapport au Public Accounts Committee. Et nous pensons l'ICAV aide grandement à la lutte contre la corruption dans le pays. Nous parlons sur l'autre sujet, c'est justement les travailleurs, la grève que camarade Riaz Chetou et Jane Ragoup et organisé avec membres de CTSP et travailleurs dans l'école. C'est madame qui, en 2015, finit à l'attention aux autres. C'était justement le ministre des Finances d'Alo qui t'y trouve, qui t'y ému, qui t'y même pleuré parce qu'il t'y trouve de conditions de travail extrêmement dégradantes et inhumaines. Donc à l'époque, c'était le ministre Lachmina Raidou. Aujourd'hui, nous solidaires avec sa camarade syndicaliste-là. Simplement parce que le gouvernement finit promettre ça ban 300 madames un travail décent et ban conditions décentes. Et l'arrangement qui se tombe d'accord, c'est au fait nous avons un renseignement que le 28 août tiennent une réunion. Et l'arrangement c'était que ça ban madame là rentre l'eau establishment ministère, ça veut dire devine ban general workers. Et là ce qui nous apprend avec ban camarade syndicaliste, c'est que le 13 octobre, il y a une volte-face. C'est qu'après une réunion avec un représentant du ministère des Finances, ministère du Travail, le ministère de l'Éducation n'est pas forcément d'accord pour employer ce dimoun-là, mais il emploie les autres dimoun comme un general worker. Donc nous solidaires justement avec un syndicaliste par rapport à ça, parce qu'ils sont conscients de la promesse qu'ils font à eux, nous trouver, c'est public, et nous pensons qu'il n'est pas correct.
Si motif content, il se résume la situation de Saban General Worker. La raison pour laquelle le Chimina Raidou, type Omiwan, premier Dimoun, qui ti cause publiquement en faveur Saban Dimoun là, c'était justement c'est qu'ils ont type travail grand matin, ils ont besoin de rester dans le travail et de type travail dans l'après-midi. Donc, en la journée, 8 et 8 temps, ils ont type rester dans le lieu de travail, mais ils ont type payé par hours. Donc, l'étudier qu'il n'est pas normal, parce que madame là, partie dans le choix, qu'ils ont besoin de retourner de la case, et ils ont besoin d'un salaire de 1500 à 2000 roupies par mois. Qui, si ils ont réalisé, est au-dessous du seuil de absolute pauvreté. Donc, il est moins que 3000 roupies par mois. Et il n'est pas normal qu'un dimoun travaille et il retrouve dans un absolute pauvreté, dans un income absolute pauvreté. Donc, dans ce sens-là, nous solidaires. Surtout que c'est le ministre même qui avait quand même expliqué la situation après un survey qu'il fait dans sa ministère. Mais en même temps, nous pensons que si jamais une promesse que le gouvernement fait à sa employé pas réalisable, ben l'ICAV assure-lui qui dans une tender dans le futur, quand il peut donner un contrat cleaner à une compagnie, mais qui sa compagnie là aligne zot à une remuneration orders qui déjà existait par rapport à bonnes conditions, bonnes travailleurs, bonnes cleaners dans l'école. Donc, nous sommes définitivement solidaires avec cette cause, nous, au mouvement patriotique. Et nous soutenons nos camarades syndicalistes à 100% dans ce combat. Autre fait de l'actualité qui interpelle nous, au mouvement patriotique, c'est l'affaire Saint-Gérand contre Forum Citoyen Libre. Donc, le jugement de la Cour, il fait nous quand même réaliser quelque chose, c'est que ben promoteur inaccepté qu'ils aient type agir en dehors du cadre légal. Alors que le ministre de l'Environnement d'alors, qui assure nous qu'il tout passe dans le respect de l'environnement. Si le promoteur INCAP admet ça, comment se fait-il que les autorités pas fin réalisent? Donc, il fait nous questionner justement une méthode d'inspection du ministère de l'Environnement. C'est un monitoring committee. Est-ce que c'est un manque de compétences pour comprendre faire monitoring là? Parce qu'il dit assurance publique, hein? C'était public. Donc, nous vraiment perplexes au mouvement patriotique et nous tu demandes quand même le ministère de l'Environnement de servir ça comme une leçon parce qu'il ou pas dîner avec l'environnement. Même si le promoteur indien est pour restaurer l'environnement marin. Mais quand on casse, vous connaissez l'environnement, il prend des milliers d'années pour construire. Ou quand on détruit dans un zoo. Et quand on détruit dans un zoo, on dit « Ah, il n'a pas besoin de faire ça. » Mais il y a un peu trop tard. Donc, c'est pour ça qu'il nous attend de bonne autorité, qu'ils préservent ça l'environnement-là avec bonne inspection. Parce qu'il nous gagne l'assurance, justement, du ministère qui tout passe dans l'intérêt et dans le respect de l'environnement. Et à la cour, le promoteur admet qu'ils n'ont pas fait suivre le cadre légal. Donc, nous sommes bien perplexes par rapport à ça. Et nous pensons qu'au niveau des autorités, quand ils ont fait une introspection, comment est-ce possible qu'un promoteur connaît et qu'un ministère ne connaît pas, qui n'a pas fait suivre le cadre légal. Donc, mon camarade, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez une question. Le président de Haut-Parti, pendant de nombreuses années, et président du PRC. Il n'a pas gagné l'occasion de rester causé si tu as une proposition de monter parce que moi déjà entendu ça dans le passé qu'il n'a pas passé devant un vote, mais rien n'a été fait. Oui, en fait, c'est en discussion avec le président du parti qui explique moi un peu la situation et moi aussi, pour devoir nos connaissances, nous discuter et nous arrivons justement à sa proposition. Et oui, il a raison, c'est une proposition qui d'année en année fait. Mais unanime. Mais il y a un seul qui a fait ça à un moment là. C'est le leader de House. Donc, c'est le Premier ministre. Donc, si le Premier ministre est genuine par rapport à l'envie de combattre la corruption, nettoyer, mettre l'ordre dans le ministère, nous entendons qu'il fait libre. Mais malheureusement, s'il n'est pas fait libre, nous avons de nous la garantie que le mouvement patriotique peut faire libre quand il rentre dans le gouvernement. Ou en campagne depuis quelques jours, qui va nous monter d'informations, qui n'a pas de problème pour trouver qui est le numéro du numéro 18. Vous connaissez le problème de la drogue, un thème récurrent. Parce que beaucoup aînés, nous-mêmes quand nous faisons porte à porte, ils chagrinent. Il est vraiment très chagrinant. Parce que nous trouvons ça mal aînés là, nous trouvons perdus, déboussolés. Et
Ils ont parlé de même, vous connaissez, il y a une torture, ça a besoin de rendre un engrenage. Ils ont famille affectée, ben voisin affecté. Le thème récurrent, mon gars, dire pour tout que nous allons peu importe l'endroit, c'est la drogue. Il a affecté tout dimanche à la circonscription. Donc c'est un même problème majeur que nous trouvons. Et deuxième, c'est justement ben député qui fait apparaître soudainement. Un politicien qui peut apparaître devant toute la porte. Donc, ben, Dimune, il a quand même un dégoût par rapport à la politique et la classe politique en général. Dimune, il a un rejet de la politique parce qu'il pense qu'un système de gouvernance politique pas adapté, pas répondre à ce besoin. Donc, mon cas, ça, c'est les deux gros thèmes. Et nous commençons depuis une semaine. Au fur et à mesure, nous parlons de plus exemples de banques. On a une idée. Comment pouvons-nous inverser un peu sa tendance de la deuxième point que nous disons là? Tu es intéressé dans la candidature de... Ben, moi et nous, au mouvement patriotique, notre première stratégie, nous cibler la jeunesse. Et comment nous cibler la jeunesse? C'est à travers Facebook. Nous devons montrer aux jeunes que la politique, c'est une affaire qui est atteignable, c'est une affaire qui est proche de la vie tous les jours. Qui est indimune quand nous faisons porte à porte, quand un politicien vient pour les autres. Il y a une dimension comment les autres, et c'est une dimension qui nous a contacté, c'est une dimension accessible. Donc ça c'est une façon qui nous peut refaire. Deuxième façon, c'est que quand une dimension cause avec nous, mais nous propose une bonne idée et nous écoute une bonne idée. C'est, donc quand nous engageons dans sa programme, dans sa discussion-là, nous finissons trouver une certaine effervescence et nous pas des autres qui viennent réussir jusqu'à l'heure. Nous n'avons pas aucune réponse négative. Pour tout que nous allons, c'est surtout qu'ils nous disent bien à l'écoute et qu'ils nous acceptent des suggestions et nous proposent pour nous. Nous pas aller dans le porte à porte, nous dire tel dimanche qui fait des affaires, tel dimanche qui comme ça, tel dimanche sur maman comme ça, sur papa. Et nous pas faire arrêter des affaires au mouvement patriotique. Et c'est comme ça qu'ils nous pensent qu'on va à la peur. Donc, il y a un point qui m'a lié, c'est justement le MMM, la conférence de presse de l'aile féminine du GNMM en ce qui me concerne. Donc, bon, on ne va pas appeler quand ça peut arrêter, mais il devient extrêmement ridicule, surtout quand on prend en considération que le leader du MMM, Finn Admet, qui me quitte le MMM en 2013, que la direction tient un problème avec moi, qu'ils ont pas de side avec moi, à ce je peux venir raconter. Bon, et toutes les semaines, je peux raconter de nouvelles histoires, je ne peux pas paraître in line avec ce propre leader. Je peux paraître, comme on dit, qui je ne pas sûr. C'est-à-dire que ça peut gagner toute l'information. Mais moi, mon cas, factuellement, je n'ai aucune parole pour raconter le MMM, personnellement. Je n'ai pas veillé les autres affaires. Mais factuellement, mon cas, des autres qui me quittent le MMM, qui ne me pas quitter le MMM pour rentrer dans le mouvement patriotique, non. Je me quitte le MMM après 2 ans qui me rentrent dans le mouvement patriotique. Et 2 ans, quand moi-même, je refuse de retourner au MMM, pour bonne raison, je pense que si je suis sur Facebook, je finis de comprendre qui fait moi. Parce que je suis plus dans la construction, je suis plus dans la productive, je ne suis pas capable de me faire par la grosse. Donc là, j'espère qu'il est clair une fois pour toutes. Je ne suis pas un petit peu pour rentrer dans le mouvement patriotique, non. Et je peux faire politique parce que je suis content de faire politique. Je n'ai aucun complot contre le MMM parce qu'il y a un peu paranoïa. Penser que tout parti peut comploter contre un parti, parce qu'il y a un peu ridicule. Si vous êtes sur le terrain, vous trouvez qu'il n'y a pas besoin d'aucun complot. Donc, juste la campagne de dénigrement qui se fait là, est suffisant pour take care of MMM. Je n'ai pas besoin de faire plus que ça. Moi. Donc, je suis content qu'il s'est arrêté. Donc, moi, c'est pas le camarade journaliste, je dis. Enfin, je peux faire mon allégation. You know the facts, non? Je me quitter depuis longtemps, je ne peux pas me sauter, je ne peux pas faire tout ça. Là. Donc, tout ça, c'est un fait qu'ils ont faux moi, tout ça. Là. Il est un peu ridicule. Parce que je ne peux pas me faux moi pour rendre une élection générale du fausse. C'est ici, à un moment patriotique, qui me peut recevoir une formation, une mentorship. Donc il est complètement ridicule. Je n'ai pas une grande affaire pour dire pour ça. Je ne vais pas continuer à dire les fausses non plus. Donc on fait conformément la campagne. En fait, le mouvement patriotique, nous tous dans ça état d'esprit. Est-ce qu'on cause avec le président par rapport à une bonne rôle des autres partis? Peut-être aussi d'une partie, puis écouter hors couteur. Est-ce qu'il me donne une garantie qu'au mouvement patriotique, nous pénacer les temps pour vendre le parti. Donc, la victime, ça aussi. Victime, oui. Mais nous, nous faisons comment dans la campagne, nous ne pouvons pas si c'était un complot pour les autres partis, nous plus dans la construction, comme on dit les autres. Nous n'avons aucune stratégie d'intimidation, nous faisons construire et nous faisons avancer, nous pour le renouvellement. Donc, pas besoin de répéter, nous pas là-dedans, nous pas un groupe d'immunité qui paye à la coupe vendre. C'est pour ça que nous faisons appel au commissaire électoral.
pour parce que nous victimes de ça. Nous victimes de ça. Et me pensais que au début, moi, tu fais pour pas qu'il fait. Mais me pensais ça une semaine campagne qu'il nous fait. Là, il me bouleverse nos adversaires. Il me met dans l'insécurité. Ils sont obligés de faire dénigrement et intimidation. Ben, tant pis, vous êtes. Ben, si vous êtes dans ce temps-là pour perdre, nous pouvons avancer en attendant.